Souscris totalement. Je trouve que le fait à la fois que les artistes prennent un petit, reprennent un petit peu le pavé et la rue pour porter des messages comme celui-là, pour dire finalement les problèmes de logement c'est le problème de tout le monde. Je trouve que c'est un concept artistique déjà formidable et le fait d'implanter comme ça un hôtel pour les gens qui n'ont pas de logis en plein centre-ville, hein, ne pas le mettre à la périphérie des villes, c'est quelque chose de formidable. Donc, évidemment, on est à fond là-dessus. Cauchemar, un grand malheur de ne plus avoir d'inspiration, le seul pouvoir d'un dessinateur qui arrive à expiration. Alors je froisse du papier pour essayer de conjurer le sort, mais la poids s'est installée, y'a par toi, y'a rien qui sort. J'ai envie de dessiner ton sexe, tellement le mien il me fait mal. Envie d'entrer dans son vortex et humer son parfum fatal. Mais ce dessin est trop complexe et moi je ne suis pas de taille. Nous deux, on ne restera que des ex, même si mes crayons je les taille. J'ai la taillure jusqu'au genou et du papier jusqu'à la taille. Je vais m'en foutre jusqu'au cou, mais c'est fini, maintenant je me taille, je crois. J'ai usé tous mes crayons, déchiré toutes mes feuilles. Faudra que j'arrête mes illusions, car les fleurs pleurent quand on les cueille, nous deux. J'ai trouvé ça bon, mais là, je le dis sans aucune larme à l'œil, mais avec le dernier bout de mon crayon, ça y est maintenant, je fais mon deuil. Aux cieux semblant un diadème, l'amour auquel je veux croire n'est plus que noir chrysanthème à chacun de tes épaves jusqu'à temps de nous revoir. Voilà, alors on soutient tous bien sûr l'action de Philippe Guidot pour le SDF Valcoucou Hôtel. Ouais, je sais pas si c'est le bon nom, mais on peut dire aussi Valcoucou Hôtel SDF. Le chocolat chaud, madame. Ou enfin, comme vous voulez. Pour moi. Voilà, alors on est tous là pour accompagner. Alors, du bruit, s'il vous plaît, pour Philippe. Bravo.